Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme sur un nouvel épisode de Tezo. Et donc si j'avais mis ça comme ça, c'est simplement pour la petite blague du... Ah mince, j'ai bougé juste ce qu'il fallait pas. Voilà, l'utilité de l'interface. donc, tiens en fait, ce que j'avais au niveau de ça, personnage. J'ai combien de points à mettre? 5. Bon bah à vous de me dire, chers amis, hein. À vous de me dire ce que je dois mettre et où je dois le mettre. Sir Thomas, vous êtes qui, Sir Thomas? Vous avez l'air d'avoir pris une épée dans le bide. Vous êtes celui qui veut détruire mon maître. Je sais ce que vous cherchez. Je pourrais tout vous révéler, mais au lieu de cela, je vais déjouer vos plans. J'ai besoin de réponses et du fragment clé. Le fragment clé est lié à mon esprit aussi sûrement que je suis lié pour le garder. Mais je me demande si vous répondriez à une énigme. Une énigme utile. Comment une énigme pourrait m'être utile? Ce qui ne peut être dit directement peut être deviné. Exact. Angoff se vêt de pourriture et trépas. La chair vivante, sa défaite causera. Je dois donner le fragment à qui m'amène ce que la chair vivante détient hors de cette crypte. Ah, je vais pas en ressortir. De quoi parlez-vous? Je ne peux rien déclarer. Je ne peux que vous faire deviner. Cherchez ce qui diffère de la pièce à côté. Prenez ce que détient la chair vivante, puis libérez-moi avec. Je le sens pas, mais pourquoi pas. Pièce à côté. Gardez toujours vos armes à portée. Donc, il y a une épée, il y a des trucs, il y a ça. Ok, tu vas te défendre ou pas? Oui, voilà, ça y est, il se défend. Et bouf! Alors, tag. Rune de libération. C'était juste ça, vous êtes sérieux? Putain, mais en fait, l'énigme, elle est inutile. Parce que c'est une énigme et le but, c'est d'aller taper un bonhomme. Vous êtes venu détruire mon maître? Je sais ce que vous cherchez. Même si je vous proposais une simple énigme, vous avez déjà la réponse en votre possession. Cette rune que vous possédez est la clé de ma libération. La chair vivante ne détient plus la réponse de l'énigme. Cette rune était détenue par la chair vivante. Oui, mais attention à ce que vous dites. Les mots doivent être répétés exactement comme ils sont écrits. What? Attends, c'est quoi cet objet? Quête. Rune de libération. Que le sommeil prenne fin, faites place aux ténèbres éternelles. D'accord, pourquoi pas. Ah ça c'était sympa par contre. Vous êtes venu détruire mon maître? Oui, mais attention à ce... Oh, c'est fait. Loué soit Stendhal. Tenez, prenez le fragment clé. Je suis enfin libre de partir. Détruisez Angoff, vengez-moi et tous ceux qui ont été victimes de ces crimes. Comme vous voulez. C'est parti, bon. Ce côté-là, ça s'est fait. Sir Pia Jensen. Stendhal soit loué. Vous avez éliminé ce maudit esprit. Les autres chevaliers sont au haut des escaliers. Vous devez les joindre. Les rejoindre. Ils sont passés? Oui. Et si proches tout du long. Je vais les rejoindre. J'ai juste besoin d'un instant pour reprendre mes esprits. Mais faites attention là-dessous. Vous ne voulez pas finir comme cet esprit. Dites à Sir Lannis que je lui enverrai tous les hommes que je trouverai. Je lui dirai. Oh, oh mais de l'armure lourde. Angoff a posé des pièges. À conclure la quête. Oui, les pièges, les machins, les bidules. Pourquoi pas? Accomplis le labyrinthe. Parfait, continuons. Il repop le bonhomme? Dommage. Et bim! Épée en fer, 344. Mon inventaire est plein. Oh, qu'est-ce que je suis beau comme ça. Oui, mais ça c'est nul. Ça ne vaut rien, mais je pourrais les déconstruire. Arme. J'ai un bâton, j'ai un pauvre bâton. Citrouille, je te vire, citrouille de merde.
Voilà, c'est fait. Épée en fer. Maintenant, si je l'enchante. Hop. Si je mets un glyphe givré dessus. Écoutez, on va mettre un. Oh, un glyphe de foudre, ça peut être sympa aussi. La lame du capitaine Rosalinde. Ah mais non, mais en fait la lame elle est plus efficace parce que regardez, j'ai 70 et là je suis à 90. Ah putain, fais chier, j'ai gaspillé un glyphe. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Le sanctuaire d'Angoff. Bon. Tuer Angoff, bah ça a le mérite d'être clair, donc là ça doit être la mage. Nous ferons notre possible. Veillez juste à rester éloigné des vignes. Il y a du pain. Un sac à dos. De l'eau claire. Rester éloigné des vignes. D'accord, pourquoi pas. Oh. Ça, si c'est pas beau, chers amis. Alors, où est-il? D'accord, il est là-bas. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux c'est faire ma tour? C'est donc vous, l'inconscient qui cherchait à arracher la Glénombrie à mon emprise. Ouf! Oui! Elle touche! Tué, je vous ramènerai d'entre les morts et ferai de vous mon esclave. Et il est trop paractif. Et vos amis, allez périr. What? Pourquoi elle m'a tiré? Atteignez la lumière avant que sa magie ne vous détruise. La lumière? Peut-être utiliser le cac du coup. Lumière. Oui, oui. Dégage. Bah alors. Oh, il me rappelle le méchant du dernier. What? Mais il était mort. Mais non. Caca caca. T'as raison, Dieu, bouffe-le. Bon. Oh. Mais c'est quoi tous ces bugs? Bon, ça y est, on en est sorti. On en est sorti. C'était pas si dur. Cependant, la fin était stupide. La fin était vraiment, vraiment stupide. Bien le bonjour. C'est marrant, j'ai eu la. Bon, c'est pas grave. Hop, Gabriel Bénel, bonjour. C'était amusant, non? Non, je suis mort bon, sur la fin. Amusant n'est peut-être pas le bon mot. Non. Mais vous avez été magnifique. Angoff est enfin mort. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous avez fait. Où sont les autres? Les autres se sont effondrés dans leur tente. Ils sont épuisés. Mais je tenais à vous accueillir. C'est sympa. Et Sir Lannis veut vous parler. Il raconte ce qui s'est passé au commandant de la garde du lion. Que veut Sir Lannis? Qui sait? Peut-être qu'il veut vous décorer ou quelque chose comme ça. Allez-y. Ok, pourquoi pas. D'abord, je vais aller voir le marchand et je vais réparer mon armure et vendre quelques petites choses. Récupérer de l'espace dans mon inventaire. Je suis resté de car si longtemps que je tiens à peine debout. Qu'est-ce que je devrais dire? Ok, ça c'est fait. Vendre. Alors. Ok. Ceinture en cuir, gaine de la garde du lion lourde. Voilà, ça je vire. Bon, de ce côté-là, on est plutôt bon. Je vais revenir dessus une fois qu'on sera arrivé à la maison. En tout cas. À la grande ville pour pouvoir commencer à faire notre truc de métier. Lannis, il est là.
Le roi sera reconnaissant de ce que nous avons fait ici. Je suis d'accord. Il reste des serviteurs d'Angoff dans la nature. Mais nous pouvons nous en charger. Les choses vont peut-être revenir à la normale à présent. Qu'en est-il des ronces qui ont envahi la Glénombrie ? Avec un peu de chance, sans la magie d'Angoff, les ronces finiront par péricliter. Pas faux. Sinon, je parie que la guilde des mages trouvera un sortilège pour les éliminer. Je ne m'inquiète pas trop pour ça. Pourtant, quelque chose vous inquiète. Oui, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Le bruit court que la situation ne s'arrange pas au nord. Non pas à cause des ronces et tout ça, mais on raconte que d'autres menaces planent sur nous. Oula. Qu'avez-vous appris au juste ? On dit que le village de Coughlin est en proie à une grande agitation. L'heure est grave. Mais ne vous en faites pas pour cela. Nous venons de sauver le peuple de Glénombrie. Célébrons notre victoire. Bon, où l'ai-je mis déjà ? La médaille. Où avez-vous mis quoi ? Le roi avait réservé cette armure pour le champion qui vaincrait Angoff. C'était une relique de Dag Filante. Mais non ! Et maintenant, elle est à vous. C'est une récompense pour tout ce que vous avez accompli pour nos terres et notre peuple. Que la chance vous accompagne éternellement. Non, je ne veux pas de ça. Monsieur. Monsieur, je... Ils l'ont emmené, monsieur. Ouais. Qui parle ? Toi ? Bonjour. Le capitaine. Ils sont venus dans la nuit. Nous n'avons pas pu... Vous n'avez pas pu quoi ? Que s'est-il passé ? Nous revenions de Dag Filante quand notre caravane fut attaquée. D'accord. Des Bretons qui se battaient avec des Dédras à leur côté. Ils ont tué la plupart d'entre nous. Mais le capitaine... Ils ont pris le capitaine. Oh, pauvre petit père. Du calme, soldat. Savez-vous vers où ils l'ont emmené ? Havre tempête. Ruine. Proche frontière. C'est là-bas. Je trouverai votre capitaine. Salut. C'est très bizarre, toute cette histoire. Bon. Il n'empêche qu'on va se rentrer. Je peux pas bouger. Remets-toi. Bonne chance là-bas. Merci. M. Donc, les tertres funéraires, et ensuite on ira à Croix-Salon. Pourquoi pas. Mais d'abord, téléportation. Pour 83 crédits. Hop. C'est parti. C'est par où ? Jack, c'est par où ? Là-bas. Et eu canasson. Hop les. Attends, regardez l'armure. L'armure est pas mal en soi. J'aime pas les épaulettes cependant. Mais l'armure est pas mal. On va aller voir rapidement le truc, vous savez, qui permet de changer les couleurs, là. Teinture. Hop, atelier de teinture. Alors. Voyons voir. Ah. Ça, c'est déjà plus sombre. Ah, est-ce que le bleu ne serait pas mieux ? Ah, si, le bleu ferait mieux. Le bleu fait un peu plus nuit, en fait. Voilà. Non. Voilà. Pourquoi pas. Hop. Pourquoi j'ai encore du rouge sur les bras ? Telle est la question. Appeler. Alors ça donne quoi ? Bah c'est pas trop mal. C'est assez laid en fait.
Apparemment, il y a des parties que je ne peux pas changer. Pourquoi pas? Allons-y. Rentrons par là. Hop. Allons vider un petit peu notre inventaire au passage. Canasson. Yop. Allez, hop. On raconte que les Wyrès ont jeté une vieille sorcière hors du marais aux arbres. Démontage. Alors, on va en profiter pour faire de la recherche un petit peu. On va commencer par les parties en cuir. Parfait. Ça c'est fait. C'est même plutôt bien passé. Ici, on a toujours du cuir brut. De la jute brute, pardon. Et ici, est-ce que au niveau 16, j'aimerais me mettre, si possible, en impérial. Et en lin, je n'ai pas de différence. Ici, en bosmer, ça pourrait être cool. Non, surtout pas. Ah oui, donc non, là, c'est chapeau en... Attendez, c'est chapeau en... Ouais, c'est ça, c'était chapeau en... D'abord, on va faire les deux d'abord. On va se mettre là. Ça, j'ai peur que ce soit assez moche, en fait. Vous savez que ça ne descende pas. Donc, celle-là est pas trop trop laide, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Écoutez, on fera ça une autre fois, je pense. Donc, au niveau des quêtes, là. Fille des géants, c'est là. Intérêt légitime, c'est là. Le passé redoutable, simplement égaré. Un rêve périlleux, c'est dans la zone suivante. Donc, il nous reste intérêt légitime. Et avec les intérêts légitimes, on aura fini, à mon avis, avec la zone, sauf enfin, plus les quêtes qu'il y a autour, bien sûr. On en aura fini avec tout ça. Ça pourrait ne pas être mal. On pourra donc s'attarder sur la fille des géants, etc., les autres quêtes. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense qu'on va se laisser là, les amis. Je vais aller donc sûrement voir la maîtresse des écuries pour améliorer encore une fois Canasson et donner 10 points de plus en capacité de port. Ce qui est strictement rien, hein, faut l'avouer. Hein. Hop. Là voilà, Blandine, bonjour. Voilà Blandine, merci Blandine. Et donc les amis, moi je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne, il s'est passé un drôle de truc. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.